Gérer ses émotions au quotidien, c'est l'objet de cette série. Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler de quatre émotions qui, pour moi, vont être un peu des voyants verts pour aller vers le succès. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me semble, après plus de 30 ans de formation et d'accompagnement, les éléments qui m'indiquent le plus que je suis dans la bonne direction? La première chose, c'est le désir. C'est le désir de. Vous savez, c'est le contraire un peu du rejet. J'aime pas, je veux plus que ça. Eh bien, c'est quoi mon désir? Et ça vaut le coup aujourd'hui de faire des listes pour aller lister justement les éléments qui vous en rapportent. Là, peut-être à travers le sport, le plan physique, la nourriture, l'habillement, les relations, les stimulations intellectuelles, les activités diverses. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fournit du plaisir? Et puis dans cette bulle de plaisir, ou de désir plutôt, d'écouter son désir, et bien d'aller vers le raffinement du désir, c'est-à-dire qu'est-ce que, quand je suis au contact de cet élément, ça peut être par exemple du chocolat, j'aime le chocolat et parfois je me surprends à prendre beaucoup, et bien de repasser dans le qu'est-ce que je désire le plus quand je suis en train de goûter du chocolat, qu'est-ce qui... Et c'est ça dont je parle dans le raffinement, pour prendre conscience d'une deuxième chose, c'est qu'est-ce que je suis en train d'aimer. Et ça, c'est pour moi une deuxième... On pourrait dire une deuxième marche émotionnelle, c'est mon deuxième voyant vert, c'est qu'au-delà du désir, c'est qu'est-ce que je découvre que j'aime, avec quoi j'aime être en lien. Ça peut être le chocolat que j'aime goûter, et plus je vais aller dans la saveur et la précision des choses, plus je vais aimer ça, c'est-à-dire aimer le lien avec. Ça peut être aimer parler avec un enfant, aimer étudier, aimer faire une vidéo, aimer être en contact avec la nature, aimer être en contact avec son corps, aimer la méditation, le silence, l'enthousiasme, c'est aimer. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Avec quoi j'apprécie d'être en lien? Donc le désir, première marche. Deuxième niveau, qu'est-ce que dans ce désir j'aime le plus pour, encore une fois, élargir la palette, la prise de conscience de ce qui me nourrit, ce à quoi j'aime être rattaché, ce lien que j'aime construire, entretenir et développer. Et à travers ce que j'aime, troisième palier, qui pour moi va être une émotion qui va me pousser vers le succès, c'est ce qui va me mettre en joie. Par exemple, si j'aime le sport, j'aime être en lien avec l'activité physique, eh bien, je vais me rendre compte que du coup, la phase suivante, c'est la joie et le plaisir que je vais prendre, enfin c'est du plaisir aussi, mais surtout de la stimulation à faire de mieux en mieux cette activité. Le plaisir que j'ai à cuisiner, à être créatif, à inventer des nouvelles choses. Et du coup, cette joie-là, elle m'entraîne dans de l'excellence, c'est-à-dire qu'elle me donne envie d'élever mon niveau de jeu, J-E et J-E-U, c'est-à-dire de jouer encore plus haut, d'être dans un processus d'amélioration constante. Et c'est ça que la joie nous amène. Et du coup, d'ailleurs, on dit souvent que le contraire de la joie, c'est la colère, hein, c'est quand le cadre ne correspond pas, ou au contraire, quand tout d'un coup, j'ai exactement ce que je voulais, il y a une émotion de joie. Et justement, quand on est au contact de cette joie, eh bien, moi, je dis que la joie, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs Yannick Noah qui a une belle phrase qui dit « La joie précède la victoire ». Et quand on est dans cette joie d'écrire, de parler, de cuisiner, de s'habiller, de communiquer, d'avancer, de progresser dans un domaine, dans un autre, eh bien on s'aperçoit que cette joie, elle stimule l'envie de faire de mieux en mieux, elle stimule notre créativité, elle stimule notre engagement. Et pour moi, c'est vraiment le troisième indicateur, la troisième émotion importante pour aller vers le succès. Et puis enfin, quand on est dans cette joie de progresser, cette joie de jouer, cette joie de communiquer, cette joie d'inventer, eh bien, on peut s'arrêter de temps en temps et être juste en paix avec ce qui a été acquis, c'est-à-dire se sentir porté par ce sentiment de se réaliser, de progresser, de se dire « Waouh, et si je m'arrêtais pour célébrer ?» Pour inspirer et ressentir, dire merci, être dans cette gratitude de l'instant présent et finalement se sentir de plus en plus en paix, à la fois avec ce qu'on a déjà réalisé, à la fois avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a partagé, avec les éléments sur lesquels nous sommes actuellement en termes de projet. Et c'est ça que je trouve de vraiment chouette. Donc, si je resynthétise ça, il y a le désir, qu'est-ce qui nourrit mon désir aujourd'hui? Qu'est-ce qui là-dedans va se traduire comme quelque chose que j'aime? Avec quoi j'aime être en contact dans tout ce qui éveille mon désir? Comment je peux raffiner justement cette prise de contact en ajustant de plus en plus mes comportements? Et ça, c'est la joie qui le permet. Et puis enfin, me sentir en paix, c'est-à-dire... Waouh, me dire ok, chouette,
voilà, déjà ça acquis, enfin, etc. Vous voyez, c'est d'entrer dans cette tranquillité intérieure, dans cette paix intérieure. Voilà un petit peu quatre émotions qui me semblent essentielles et que je vous invite à identifier. Vous allez voir probablement que dans les domaines dans lesquels vous réussissez le plus, eh bien probablement vous trouvez ces strates en fait émotionnelles. Le désir, l'amour, la joie et enfin le sentiment de paix, tranquillité, confiance, de réalisation. Voilà, je vous propose de méditer là-dessus et puis au besoin éventuellement d'aller plus loin en continuant d'être en contact avec nous, de nous suivre et peut-être nous rencontrer davantage pour, à travers des formations, découvrir en fait cet incroyable potentiel auquel nous avons accès, simplement parce qu'on comprend mieux comment ce cerveau, ce système nerveux fonctionne et dans nos interactions quotidiennes, surtout comment ces émotions peuvent être des vecteurs importants de développement. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.